traverser la rivière et aller chercher les sticks pour les ramener à l'extracteur. L'extracteur n'a pas le droit de dépasser la rivière. Okay. L'extracteur reste derrière la rivière. Côté droit. À contrôler son geste. Ça vous a pris combien de temps?
mais elle vient tout de suite. Et attendez, parce que c'est bio en plus. Donc le panier vient de le panier saveur et fraîcheur bio. Donc on remercie le panier saveur et fraîcheur bio, s'il vous plaît. Merci, panier fraîcheur, saveur et bio. Allez, bon appétit. Pomme, orange. Du coup, ce matin, on va faire un petit renfort musculaire, juste histoire de se réveiller un petit peu. Un petit exercice sympathique. Et ensuite, on repartira sur l'activité un petit peu plus physique aussi. Mais comme c'est détrempé, on va éviter de courir comme des bœufs. On va y aller quand même cool, histoire qu'il n'y ait pas d'accident. Et là, il va falloir être, on va dire, un peu plus rapide, silencieux toujours, garder toujours les autres en contact. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes. Stay in your lane, I gotta stay on the go. I can't play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose, none of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm telling the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with ace of marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they will lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. Oh,
Comment as-tu vécu cette aventure ? Très bien, super aventure, j'ai pu me dépasser personnellement, physiquement. Je ne m'attendais pas à ça et c'était bien comme il faut. On sait que c'était un niveau, ça n'était un niveau facile. Il y a quand même de l'intensité, on enchaîne. J'ai particulièrement bien aimé, j'aime déjà bien la forêt, donc... Intense. Si j'ai qu'un mot à prendre, c'est intense. J'étais assez surpris par le cadre qui est très nature, très verdoyant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? L'évolution, comment on peut évoluer rapidement avec une team, avec un leader qui peut nous faire partager son expérience du terrain, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on ne savait vraiment pas quoi faire. Le fait de retourner au camp et de nous expliquer une pédagogie, ça nous a vraiment fait progresser. Et ce qui était de bien, c'est qu'il nous a d'abord laissé faire nos propres erreurs pour être vraiment dans la situation réelle. Et après, avec ces explications, on arrivait vraiment à évoluer très rapidement, à créer un lien de groupe et avancer tous ensemble en progressant très très rapidement. Ramper dans la boue, vraiment aller à fond, pas avoir de limites dans les exercices, ça c'était intense. Des tactiques un peu militaires de déplacement, quand on voit ça à la télévision, ça paraît simple, mais en fait, pas du tout. L'expérience de nuit. C'était vachement dur, on n'avait pas beaucoup de lampes, il fallait être stratégique, on a quand même réussi. Il y a tellement de choses, il y a des épreuves qui sont, encore une fois, j'ai utilisé le mot intense. C'est sûr qu'on s'attend à quelque chose de fort, de dynamique, mais peut-être qu'il faut une petite préparation physique. Enfin, en tout cas, je suis pas venu, je fais un petit peu de sport quand même de temps en temps. Pas tous les jours, mais on en a tous sué, quoi. Et il y en a qui sont plus sportifs que moi, c'est sûr. Est-ce que tu recommanderais ce stage ? Définitivement, oui. Ouais, je le recommanderais parce que le stage qu'on a fait, c'était Lynx niveau 1, donc c'était pas quelque chose de hard, donc c'est quelque chose qui est très accessible à tout le monde. Ça peut être une bande de potes, ça peut être une équipe de travail, ça peut aussi créer des liens. Et c'est grâce aux différents stages, parce qu'on peut choisir son niveau, donc aussi à soi de bien choisir son programme. Je le recommanderais vraiment parce que le temps d'un week-end, ça nous évade, ça nous fait apprendre plein de choses, ça nous dépense, ça nous fait rencontrer aussi du monde et ça change vraiment du quotidien en deux jours. C'est vraiment quelque chose de génial. Est-ce que tu recommanderais ce stage ? Ah oui, tout à fait, oui. Complètement, plein de personnes qui veulent effectivement se dépasser, qui veulent tester un peu leurs limites et les dépasser. Oui, mais il faut quand même aimer l'aventure, tout ça. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot en plus ? Merci déjà pour l'invitation, parce que c'était la première, et puis c'était cool. Un petit peu fatigué. Merci à l'équipe. Je vous féliciterai déjà pour votre investissement, de vivre de votre passion déjà, parce qu'on voit que Johan, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Je vous encourage parce que vous êtes bien parti pour un premier départ, il manquait de rien, donc bravo, continuez ainsi. J'ai hâte de vous revoir et puis aux autres, venez tester. Franchement, nickel. Très bien, merci pour ta présence. Merci à vous. Et gardez cette belle motivation et cette envie de partage.